Et on vous dit que dans Origine 7, c'était à cette époque précise qu'un groupe d'anges déchus, parce qu'ils ont été déchus déjà, sont venus sur terre, ils ont couché avec les femmes noires de la lignée de Pongisset. Mais ces femmes-là, on ne les a pas violées. Les anges déchus n'ont pas violé ces femmes-là. Les anges déchus ne les ont pas forcées. Ces femmes-là avaient le pouvoir de résister. Elles avaient le libre arbitre. Elles ont accepté parce qu'elles étaient curieuses. Elles étaient curieuses. Donc, on vous dit ici, après avoir introduit l'hybridation avec les animaux, considéra que ces filles noires non initiées, issues de la lignée de Pongisset, sous forme sensible, étaient belles, agréables et en devint amoureux. Donc, ces anges déchus sont devenus amoureux de ces femmes-là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà déchus. Donc, ils étaient déjà déchus. Et il se mit à conspirer entre eux sur ces femmes noires afin de s'unir à elles, non, comme à des facultés génératrices. Et toutes celles, à toutes celles qui ont plus de préférence. Et il se dit les uns des autres, usons de notre charme divin pour nous unir à elles, virgule, et ayons des enfants, et l'issue de cette union donnera naissance à une race, qui devra soumettre le peuple noir dans la servitude. Bon, pourquoi les anges déchus, un groupe, ont décidé de procréer avec les femmes noires pour donner naissance à la race blanche? Quel était le but? Quel est le but de pouvoir dominer? D'abord de rendre l'homme noir dans la servitude et de l'exterminer après.